Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'édition Saoudi Lansa spéciale ça. Nous avons avec nous sur le plateau deux invités. Et nous avons un troisième invité qui parle physiquement avec nous, c'est Lambert Wilson. Mais ensemble, nous allons regarder, analyser et puis commenter œuvre l'IA sur Haïti qui est un film documentaire. D'abord, on a dit Lucien Mrepa, bienvenue dans l'émission ça. On a rappelé où c'est un professeur à l'Université d'État d'Haïti. Et puis, où nous avons un doctorat en sociologie. Bienvenue dans l'émission ça. Merci. Donc, c'est moi-même qui remercie vous pour l'invitation. Merci. Et nous avons l'autre invité là, qui c'est Pierre Dieu-si bon mérité. M'a rappelé où c'est coordonnateur bureau régional l'Ouest section CVR dans mission Nations Unies. Bienvenue. Merci Violine et merci pour l'invitation. Alors, nous allons rappeler qui est-ce qui Lambert Wilson. On a dit que Lambert Wilson a visité Haïti deux fois sous invitation mission Nations Unies. Lycée un acteur français. Expérience li commencé dans année 1980. Li joué dans un pile film américain tant que Matrix que tout le monde connaît en Haïti. Li passé des caméras à Konya pour réaliser film ça qui diffusait déjà sous Canal Plus international et président français François Hollande t'est même assisté à projection film ça dans Palais Élysée. Moi invité nous suivre Konya film documentaire ça. Faites tourner Lambert Wilson, il chante, il danse, il joue et maintenant il réalise un documentaire dans lequel il est un nouvel explorateur qui nous emmène voir au-delà des montagnes, encore des montagnes. Tout a commencé avec Félix. Félix, c'est mon filleul. Il a 10 ans. Il est né à Port-au-Prince, en Haïti. Mais habite en France depuis l'âge de 4 ans. Sa maman est morte dans le tremblement de terre de janvier 2010, qui a fait plus de 200 000 victimes. Depuis son arrivée, et celle de sa sœur, j'ai voulu comprendre Haïti, son histoire et celle de son peuple. Alors j'explique à Félix que l'année dernière, j'ai fait un premier voyage à Port-au-Prince, à l'invitation de la MINUSTA, la mission de stabilisation des Nations Unies en Haïti, présente sur l'île depuis 2004. Nous avions visité un projet que j'avais trouvé extrêmement cohérent, car il mélangeait des notions sociales d'emploi, d'écologie et de réinsertion des jeunes de quartiers difficiles. Ceux-ci amélioraient leur quotidien dans la ville en construisant des murs en pierre afin de retenir la terre en cas de pluie importante. En travaillant, ces jeunes allaient pouvoir gagner de l'argent afin d'améliorer à la fois leur quotidien et aussi l'environnement de leur île. Ce projet est le fruit d'une très bonne collaboration entre la MINUSTA et deux associations locales. J'ai donc voulu retourner à Port-au-Prince et rencontrer ces hommes et ces femmes qui participaient au projet pour parler avec eux de leur quotidien, de leurs difficultés, mais aussi de leurs aspirations et de leurs rêves. J'ai voulu tenter de comprendre d'où venait Félix. Finalement, je me rendais compte que je ne savais rien sur Haïti. Était-ce seulement le pays du vaudou, des zombies et des tontons macoutes dont me parlaient mes parents pour me faire peur quand j'étais petit? Était-ce la perle des Caraïbes au charme magique resté intact? Ou représentait-elle la plus grande concentration de misère, d'injustice, de cruauté et d'espoir brisé sur la planète? En tout cas, une chose était sûre, je n'allais pas pouvoir, une fois de plus, rester indifférent. Noé, un entier film documentaire Lambert Wilson, non? Et n'a pas rappelé Youn, objectif qui était derrière projet ça, c'était aller. Et qu'on est qui côté et Félix sort s'il a besoin qu'on racine. Donc, est-ce que professeur Lucien Mrepa, est-ce que envie ça étranger a toujours gagné l'éloi haïtien? C'est-à-dire, est-ce que haïtien toujours intrigué? Est-ce que son mystère pour lui que le pas cerné? Oui, pensez ça parce que tellement de problèmes comme si en Haïti que tellement de misère, bon, tellement de violence tout quand que j'en filme dans mon truc tout que donc terre d'Haïti a même, donc société haïtienne, non, il est toujours venu en terrain de recherche, de prédilection pour n'importe qui étranger qui paraît dans le pays. Il y a un nombre qui était intéressé que acteur
pendant période là c'était suivre parcours et Kalo. Kalo qui te font un parcours de qui ton monde qui te connaît question violence et ensuite qui vient à intégrer développer une famille. Donc ça t'est un petit genre intrigué pour voir que et à ce moment qu'il t'est venu comprendre que travail capable changer et la vie au monde. Qui genre travail si mon a un ensemble de bagages qui lié avec environnement travail que mon n'a pas jeune. Donc ça fait qu'à l'autre dire que l'aime pas travail pas faire un sec petit mon là là moi penser à toute bagaille. Mais en gros il était besoin de comprendre surtout haïtien. Oui ça c'était un aspect parce que ti moun ça liwe et en France là ti moun ça des gain droit dans côté le talé Matissan parce que Matissan nous talé donc c'est même bagaille là jodi a ti moun ça qui gain chance qui dé ordinateur la kali cap garder et mon Haïti mais ti moun ça te gain droit dans côté le talé exactement parce que maman te mouri après tremblement de terre il était avec lui donc c'est pour vous dire relation t'ap garder relation non seulement entre situation misère comme professeur Mori pas dit et situation de violence ça capable produire lorsque et type de misère ça a développé dans quartier. On a abordé aspect qu'on a qui fait objet de documentaire à tout qui c'est aspect volet CVR qui c'est section violence réduction violence communautaire dans mission Nations Unies hein. Donc nous on parlait de ça tout donc projet ça qui montrait à travers film là mais est-ce qu'on capable ba nous l'essence projet ça même qui concrètement approche que nous-mêmes nous utiliser pour essayer aider monde qui veut sortir dans difficulté alors lorsque nous avons commencé et réfléchir sur stratégie que pour développer mise en place et programme et section parce que nous avons commencé à analyser typologie de violence qui gagne dans quartier et la majorité que tranche jeunes qui étaient impliqués dans question nous avons regardé c'est jeunes qui parfois de 16 ans 14 ans jusqu'à 25 30 ans parfois c'est pourquoi que quand on parle des questions de jeunes au niveau section 1 malgré au dit c'est jusqu'à 24 ans mais parfois les nous garder nos jeunes en tranche qui très active dans question violence qui gagne 34 35 ans et bon et à partir de ce moment nous te garder que dans la grande majorité gagne type différents types de violence mais gagne des violences il faut dire clairement c'est des violences structurelles qu'il y a avec l'état en tant que tel en termes de offre de service donc les nous fait les nous te commencer travail là nous garder que il y a des quartiers qui en conflit avec quartiers, il y a des quartiers qui en différents quartiers. Alors qui ça nous fait dans par exemple dans type projet ça que nous garder dans film là moun ça yo kap travaille dans projet yo sorti dans trois quartiers différents. Par exemple, il y a moun qui sorti Matissan, il y a qui sorti Fontamara, il y a qui sorti Cafoufeuille. Yo rencontré dans un espace côté que yo travaille ensemble, yo chanté ensemble, yo dansé ensemble pendant 6 mois. Après 6 mois, yo tissé un lien social. Donc question pas en question seulement bay travail là, mais c'est lien qui fait qui vient gagner entre catégorie moun sa qui dans le passé qui ka konn nan bataille. Maintenant les gros problèmes, nous gen capacité pour nous di moun sa yo, nous te travaille ensemble, nous konn situation de violence ça qui ça nous ka fait pour nous temporiser en situation dans quartier. Ça c'est aspect et gestion de conflit interquartier. Il y a une question de travail là tout. Ça veut dire que lorsque nous mobilisons 200 jeunes, 300 jeunes pour travailler, mon travail dans le quartier pendant 6 mois, mon nan commencé à venir à 7 heures, il vient en haut à 8 heures. Là il descend, il descend vers 3 heures, 4 heures. Il n'a pas de temps pour faire violence encore. D'ailleurs, il est fatigué, il attend demain matin pour recommencer le travail encore et il a espoir qu'il pourra le toucher. Et une réaction par rapport avec ça dit ah nous elle t'a parlé le rapport rapprochement que projet ça lui même facilité mais question t'a posé professeur est-ce que nous-mêmes haïtiens nous perdu habitude ça chita youn ak lot pour nous comprendre l'autre pour nous connaître qui est l'autre là question de violence là avant que nous retourner sur dire son question moi même thème en violence structurelle que nous dire son violence que c'est voulu. C'est construit, c'est-à-dire c'est nous voulons comme ça. Parce que nous construisons une société, j'en voulais. Si demain nous dit que nous pas voulons société à comme ça, pas faire. Donc c'est-à-dire c'est une question d'acteur social. Nous chita là, je veux dire, c'est parce que nous voulons lever, nous lever. Aussi simple que ça. Mais c'est-à-dire qu'on direction. Donc c'est ça le problème. Là. Donc moi je pense que Carlos dit tout à l'heure, hein, et pardon Dieu si bon,
Je pense que c'est par le travail que nous avons résolu dans ces deux bagailles. C'est-à-dire, je veux dire, qui s'en a gardé par rapport à la violence, nous ne presque pas, non seulement dans la société de chômage, tout, pas de travail, mais nous ne vient presque pas trop, pas quoi dans le travail encore. C'est-à-dire, nous avons besoin de faire l'argent facile. L'argent facile dans la drogue, dans la prostitution, dans le kidnapping. Et c'est ça qui a développé justement dans le quartier Sayo qui fait nous peur en pile. Ouais. Donc tout ça encore son problème de gouvernance. L'État, c'est nous, donc, ou sociologues, les mêmes, ils sont citoyens qui ont servi citoyens à la communauté. Donc, mais montrez-nous le lien, ça. Qui ça fait un individu, l'aile dépourvue de tout et de rien, l'ivine, a donné à la violence pour subsister? Ça, c'est aussi simple que ça. Et Carlo explique le très bien. Carlo dit, par exemple, le long quartier, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de madame, il n'y a pas de voisin pour le bali. Donc, il faut le manger. Il n'y a pas de dire clairement, même comprendre, il faut le manger. Et pour le manger, qui ça vous le fait? Donc, tous les moyens sont bons. Mais professeur, attends par rapport avec l'autre monde, c'est-à-dire, si pour un monde qui pour manger ou bien, côté solidarité, ça, c'est vrai que les Haïtiens ont toujours fait preuve de solidarité, nous montrons ça souvent, là, par exemple, en 2 janvier. Donc, qui côté solidarité, ça, lui-même, il doit finir, et qui côté responsabilité, nous, chaque, doit commencer? Question solidarité, c'est une question qui, en fait, qui est très complexe. Hein? Oui, elle est très complexe. C'est-à-dire, c'est vrai que, bon, tout le temps, je dis ça à mes étudiants, parce que l'on a parlé de question de solidarité, qu'apparaître que mon yovine de plus en plus individualiste, mais qu'à comprendre. Parce que la société va changer. Et au fur et à mesure que la société va changer, nous-mêmes, tout, en tant qu'individu dans la société, on a changé. C'est-à-dire, bon, pas parler chita en pile sur la question de solidarité, qui est important pour nous parler sur lui. Parce que vous regardez, jusqu'à présent, deux, on est très solidaire. Hein? Mais là, regarder la ville, c'est différent. Non, mais côté solidarité, a dû finir lui-même. Parce que, est-ce que trop de solidarité, et les, par exemple, nous et Carlo, Carlo fait 5 petites, l'abtend yon moun boue d'elle, alors que li prend formation dans mes CVR, li gen des techniques, li gen des connaissances. Donc, côté solidarité, a espoir, mette sous moun assistant dans lui-même, il doit finir. Mais c'est ça, justement. Solidarité, m'kap di gen des relations de voisinage, moun kap solidaire, mais moun n'a pas qu'à faire tout bagay pour vous. Mais le problème, surtout, son problème de chômage, pas de travail. C'est-à-dire, moun, même pas quoi tellement dans la solidarité. Hein. Par exemple, moi, bah, qu'on aime, visite un petit peu l'Europe, m'étudier en France, français, le bagay. Les gens sont solidaires, mais chaque monde gagne suffisamment de capacité, de compétences pour le cas utile tête que moun n'a pas qu'on lit. Même si moun n'a pas analphabète, mais le fonctionnel. Là, on parle de capacité intrinsèque, yon moun, chaque monde possède. Côté gagne tout pied ou côté handicapé. Oui, mais côté tout, l'État mette des structures pour que même l'on moun pas qu'on lit, mais moun n'a pas fonctionné. Ce n'est pas le fait qu'on ne pas qu'on lit. Bon, lit à son plus, mais ce n'est pas le fait qu'on ne pas qu'on lit pour pas qu'il y ait des débats qu'on fait. Il y a des débats manuels. Mais c'est ça le problème. C'est-à-dire, question, nous pas qu'à mettre question, non, question de solidarité seulement. C'est-à-dire, pour mon vine d'eau, pour mon faire si vous, etc. Ça veut rien dire. Solidarité en capable là, c'est peut-être en temps de besoin, en temps de cyclone, de tremblement de terre, etc., etc. Mais, on monde qui a une capacité, faut le travail. Et une réaction? Non, le quatrième élément qui est inclus dans le programme, non, que c'est en même temps, c'est la protection de l'environnement. Donc, parce que tout le monde s'est dans le quartier qui est même à vivre. Ça veut dire, là, nous faisons conservation sur là, l'un des financiers projets que nous faisons, en même temps, nous disons que nous devons protéger le quartier pour tout. Donc, aspect qui l'autre aspect que nous gardons, nous parlons tout à l'heure de question de solidarité. Mais dans le quartier, pour développer la solidarité, comme dire, c'est le travail. Nous-mêmes, nous étions quoi que, moi-même, nous étions quoi par rapport avec l'expérience que moi fais dans le CVR pour le ministère, c'est que, ensemble des choses qu'on a changé, il faut qu'on crée travail, faut qu'on crée emploi, il faut bailler opportunité. Comme Thomas c'était chef section, comme Thomas expliquait dans le film, là, l'Université Soleil, nous étions dans le quartier, nous finançons pour me penser une centaine combien de maisons. Mais nous créons l'autre environnement. Mais combien de gens là? Nous arrivons parfois à travailler dans le quartier, nous réalisons que nous sommes une société qui a fait des gens, qui a mangé des gens. Mais manger des gens, c'est bon. Par exemple, les plus jeunes garçons, moi-même, qui sont impliqués dans la question du groupe armé, c'est des jeunes garçons qui ont 24-25 ans. Comment une société, côté groupe armé, 24-25 ans, qui est impliquée dans le groupe, qui a nous en pitou, quand on fait 5 timoun, il va pas manger. Qui sont attendre 5 timoun, j'ai pas le vini dans 10 ans? Donc, c'est réponse. Que l'État te gen pou bay li pa bay. Si Carlo te jwenn possibilité nan bagay li a, pou jwenn an l'école primaire, au moins nan quartier la, pou te voye ti moun nan. Si le ti moun nan maladi te kal nan santé, ça t'a baissé pression sur Carlo, Carlo pa t'a pral faire violence. Donc gon relation étroite entre travail et
et violation. Mais est-ce que, professeur, est-ce que Carlo, tu as supposé prendre conscience que dans la situation économique liée, elle n'est pas supposée faire 5 petits? Ce n'est pas à Carlo de prendre conscience. C'est à l'État d'avoir une politique de planification familiale. Mais ici, on a fait victime dans Jean-Levé, la vie dans n'importe quel quartier, dans une pièce, on a regardé. Mais c'est étonnant. Il y a 11 personnes à vivre dans une petite pièce carrée, dans 2 mètres carrés. Donc ce n'est pas normal. Mais ça, ce n'est pas même le problème de Carlo. C'est-à-dire que pas qu'à la gueule bagaille sous dos en conscience individuelle. C'est-à-dire son super puissance, son l'État, on est capable de dire ça qu'il a, pour capable mettre en cohésion au niveau de conscience collective. Là. Donc tant que nous pas arrivé à une gouvernance comme ça, qui a contrôlé tous les secteurs de la vie, eh bien, on a toujours été dans une situation où on a fait 10 petites. D'ailleurs, toujours de malheureux même dit que petite c'est richesse. Et dans le projet CVR là, qui élucidé dans le documentaire là, donc il parlait de rapprochement social, nous avons évoqué ça tout à l'heure, mais nous voyons point tout, c'est reconnaissance l'autre là, et tendre l'autre là, et aborder la prochaine pour voir qui problème, pour nous voir qui problème n'est pas. Est-ce que ça est important tout pour aider individu à sortir? Très, très souvent nous inventer problème ou bien nous inventer solution pour le monde. Alors dans le quartier, et dans l'expérience que moi-même j'ai fait, ça fait plusieurs années que je travaille avec quatre catégories, ça, surtout dans la question de la violence, etc. On ne doit pas inventer une solution pour les gens. Mais qui solution que vous-même vous voulez et qui j'en ai oublié. On peut transformer le quartier, j'en ai oublié. Mais avec les gens. Et avec vous, dans quel sens? Parce que, est-ce qu'il y a un monde qui a un problème chaque jour? Est-ce que la capacité pour élever au-delà de problèmes, pour joindre une solution? Non, c'est graduel. Tout processus de développement sont processus graduel. Mais les besoins, ça me t'accarrelé en force externe. Et force externe, ça, comme professeur Maurice Pardy, dit, sont forces qui organisées, qui ont main sous lit. Est-ce que c'est pas nous mais pour inventer. Par exemple, dans le cadre programme, nous basons sur une analyse que nous faisons étape par étape, qui nous dit mais qui gens que nous pensons que problème ça nous capable d'adapter. Mais par une répétition, jeudi. Et par rapport avec l'expérience ça, tu dois une institution étatique qui prend le programme en tant que tel, qui pour mener, qui pour continuer à adresser les problèmes. Et dans le film, là, ils ont demandé moi pour qui ça Carlo inquiet jeudi dimanche là pour petit Dieu. Parce que dans le pays par Wilson, moun mange chaque jour, moun mange viande chaque jour si moun n'en veut. Alors que Carlo lui-même jeudi dimanche là son jour qui est extrêmement important dans la vie petit lui. Mais puisqu'il n'a pas eu manger pour le bail petit, il est venu qui est. Ouais. C'est une bonne corrélation qui gagne, l'on a la dynamique qui gagne dans le quartier, etc. Et on a que, il y a plus à un certain moment pour résoudre le problème. Il y a une autre religion. Ouais, quand on dit c'est bon Dieu, et grâce à Dieu, il n'a pas qu'à faire ça encore. Donc, le problème est plus fondamental. Donc, il y a des questions, c'est question nous mêmes sociologues, il y a des questions, c'est question psychanalyse, psychologue qui t'a dû comprendre que les questions en profondeur. Mais dans le quartier, il y a un aspect qui est important, c'est le référent. Lorsque le quartier a évolué sans aucune référence, je vous dis à Carlo qui te prend formation, qu'il travaille, il y a un travail, il y a des outils pour transformer l'autre jeune. Nous avons fait référence avec religion tout à l'heure et dans le documentaire Noël tout, Jean-Lambert Wilson évoquait religion dans le documentaire. Est-ce que d'après vous-même, religion vient une source de comme on dit ça, et résignation qui permet de résigner aux situations? Parce que l'idée clair, l'idée qu'elle n'a pas contre bon Dieu, le fait qu'elle n'a pas à manger, mais seulement parce qu'elle n'a pas de travail. Oui, mais c'est très compliqué parce que question religion, on a regardé nous que son bagage, pas de monde qui pas de religion, hein? Pas de monde qui pas de croyance. C'est-à-dire forme croyance yo divers, yo varié selon mon nom, selon société mon avis, mais religion pas qu'à faire toute bagage. Et c'est ça qui fait que c'est tellement important que je vous dis, hein, même au niveau de certaines églises, même et en particulier d'église catholique, mon comprendre que c'est pas seulement parole pour bailler mon nom, faut bailler mon pain en tout. C'est-à-dire il faut lier, hein? Donc la parole ou geste, il faut qu'elle fasse un geste. On si parle de paix quotidien. Paix quotidien. Donc si on n'a pas qu'à manger, on n'a pas qu'à le prier, on n'a pas qu'à faire 2-3 jours, la faire jeûne et puis. Donc ça c'est clair. Ce qui fait que de plus en plus, nous voyons que religion est venue quand vous avez une sorte d'opium. Et le peuple a commencé à comprendre ça. Donc je vous dis, il y a un pile, on n'a pas qu'à dire pas quoi dans le pasteur, pas quoi dans la paix, mais qui quoi dans
capacité matérielle que vous avez. Non, ça, vous devez faire pour manger, pour ouvrir petite l'école, etc. Donc, ça vient dans une situation compliquée et il vient permettre que par une solidarité qui vient faite encore entre chrétiens, entre frères, etc. Mais est-ce que nous avons dit quand même, est-ce que la religion a aidé CVR? Parce que CVR veut apaiser la société, la localité qui est en crise. Donc, même qu'il n'y a pas de manger, pas de rien, mais on a depuis le coin. Crainte liée au bon Dieu ou bien qui fait, par exemple, en prenant exemple Carlo, il dit où, il n'a pas qu'à manger, mais même lorsque la pensée à est négative, mais bon Dieu, foi lui, fait le agir. Non, ça c'est lui-même. Mais c'est ça qui est intéressant dans le fait travail. Nous connaissons l'Église, c'est un acteur qui est important en dans la communauté à tout. Ça veut dire que nous, ouais, l'Église. Et parfois, les gains recrutement qu'a fait, parce que l'Église a baillé mon tout pour venir au travail. Est-ce que oui? Nous connaissons que toute religion a un rôle parce que, d'une manière une, ou d'une autre, ou a droit à un calot, madame n'est pas capable d'influencer, le papa n'est pas capable d'influencer, mais ou a droit à un pasteur dans l'église qui est capable d'influencer pour une transformation. Donc, lorsque vous commencez à travailler dans le quartier, vous devez garder qui est le quartier à dominer, qui est-ce qui gagne en telle catégorie ou pas telle catégorie, ce n'est pas exclu personne. Ouais, ma connais dans quartier Kafoufeuille que nous même te travail côté que te gon conflit, c'est tout à l'heure m'a parlé de responsabilité l'état, de violence structurelle. Ou qu'on nous en quartier gon conflit parce que pour un pompe d'eau, pour un citerne d'eau qu'il a. Te gon conflit qui éclaté pour un pylône électrique parce que en quartier veut contrôler pylône électrique là. Mais est-ce que vous pensez que qui est-ce qui est responsable? Est-ce que c'est le monde qui a bataillé au pylône électrique là ou bien il n'y a pas rien assez? Donc, c'est rapport, tout élément ça qui permet d'analyser la problématique de violence. Il y a directement avec travail, avec organisation sociale au niveau et communauté autour. Ouais. Mais est-ce que l'environnement a un impact, professeur, sur la vie sociale du monde qui a vécu là-dedans? Oui. Parce que c'est une question de stéréotype. Là, il y a des gens, par exemple, qui vivent dans Cité Soleil, qui vivent dans tel côté, etc. Déjà, nous avons parlé en question identitaire tout à l'heure. C'est-à-dire en question de représentation sociale. Vous sentez un monde qui est dans Cité Soleil, il ne peut pas sentir bien jeune. Et il a fait tout effort, jeune, ça, s'il y a un monde qui a aidé l'église ou bien parent, il a fait tout effort un jour pour le quitter. Parce que vous connaissez dans la zone, non, c'est des bandits, c'est des délinquants, etc. Donc, je pense que l'environnement est fondamental sur le développement du monde, sur le sale café, etc. Donc, je pense que c'est très fort. Non, ça n'a pas gagné tout là-dedans. Et je prends quelques. Bon, je prends un exemple sur tête pam. Moi-même, je suis un monde qui saute dans la section communale et montagne la voûte. C'est dans la section Jacques Mel. Après ça, je vis toute période de dans le Fonds National. Mais. En pile fois, j'ai un camarade qui est dans le Fonds National, il a dû consacrer. C'est comme si, son, le, par exemple, pour sortir dans le quartier, ça, c'est comme si tout sortait avec une étiquette. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des petits gens qui viennent dans l'espace, ils tombent par l'effort? Pour qui ça ne pas l'effort? Ils vivent dans le quartier populaire. Pour l'imposer, ils font pas l'effort. Il faut m'entendre. Ça veut dire que l'environnement a un impact sur lui. Donc, c'est pour vous dire que rapport entre environnement, qui est en condition sociale côté nous allé, nous y a vivre. Pour penser qu'il n'y a pas d'environnement, il n'y a pas d'impact. Justement, parce que nous avons une bataille, une résistance chaque jour pour gérer la vie quotidienne. Non seulement la vie quotidienne pour l'île, pour tête pâle, mais aussi pour petite lit. Est-ce que vous pensez que l'eau qui a sorti dans l'arrière pour ne pas rentrer dans un sachet bonbon? Qui j'en parle dire c'est que c'est. Donc, tout rapport environnemental, aménager l'environnement, condition la vie, implique une bonne. Éléments qu'on doit prendre en compte. Il y a un aspect qui est important, l'homme Wilson a abordé dans le documentaire à tout. Nous, Carlo, qui est avec madame Ni, il dit madame Ni a envie de marier avec elle, mais ça a tellement compliqué et ça m'a demandé l'argent. Est-ce que, d'après ou même professeur, son excuse ou bien il y a une difficulté ça vraiment en Haïti? Non, c'est pas une excuse, son difficulté réelle, parce que bon, je pense que. L'homme, non, il a créé, il a regardé comment bon Dieu a créé l'homme avec la femme. Donc, c'est-à-dire que la femme est nécessaire, il faut que les gens vivent une vie de famille normale. Il faut que madame, il faut que mari, il faut que petite. Et ça veut dire qu'il faut une organisation familiale. C'est-à-dire autour de la famille, il faut une organisation.
organisation économique, religieuse ou autre, etc. C'est-à-dire, il faut que la famille dynamique, il faut qu'on bouge. Le mariage à Jean, on le perçoit en Haïti culturellement, c'est faire gros dépenses, aller dans l'église. Donc, est-ce que c'est ça que mariage là? C'est pas seulement mariage, même le monde mourit. C'est-à-dire, c'est peut-être un faux problème, mais à la fois, c'est ça, parce que nous, nous, société de faire paraître. Et ça participait à la question que tu as posée tout à l'heure, la question identitaire là. L'homme, par exemple, l'homme qui mourit, il fait bel enterrement. L'homme qui a marié, il fait bel mariage, il recevra l'homme, etc. Donc, tout le monde a un respect pour l'homme. Mais si l'homme n'a pas marié, il n'a pas offert un petit cola, un petit gâteau, etc., tout le monde a dit son malheureux, il n'a pas aucune importance dans le cas. Donc, son bagage comme Sindadou, qui justifie l'estime de soi, l'homme, non seulement ça, et reconnaissance que la communauté a gagné par rapport à l'homme. Donc, son bagage de grande valeur. Mais Pierre Dussibo, est-ce qu'on a l'impression, Carlo, qu'on a qui importance du mariage, là, qui avantage de la donne et tout ça? Non, dans la communauté, ça, yo, pas oublier que même pour fille à marier, son bagage qui est important pour lui, pour la communauté, là, en termes de reconnaissance, de soi. Il dit vraiment que c'est fille qui veut marier. Il dit que fille veut marier, mais malheureusement, il n'y a pas un cob. Parce que cob là sont l'autre élément encore dans la question mariage là. Mais, je vais regarder dans le cadre du programme, ça, là, ya, parce que dans le programme, il y a 30% de femmes qui participent dans le travail. Là. Et dans 30% de femmes qui participent dans le travail, il y a des filles qui finissent le travail, mais c'est Maria qui prend le cobla, qui gère le cobla. Mais elle toujours vient travailler. Donc, c'est pour vous dire que la relation entre, par exemple, religion, mariage, la famille, sont des choses qui sont importantes. Pour les filles qui sont mariées, pour lui-même, les deux mariés. Ah, parce que les filles la vivent dans le concubinage avec lui. La vivent dans le placé, comme il dit en créole. Là. Donc, la vivent dans le placé avec lui. Fille a besoin estime ça. Pour connaître Madame Carlo qui là, c'est différent. Avec lui, la vivent 5 timons avec lui, il pas marié avec lui. C'est comme s'il n'a pas gagné une certaine garantie, une certaine identité. Ouais. Donc, tout ça, c'est des bagages que vous prenez en compte dans tout aspect et social, et familial. Et si vous comprenez, il faut empêcher le fait banditisme, mais pas concubinage. Oui, mais même l'église là tout. Même l'église là. Parce que dans l'église là, aucun doit Madame Carlo parler à l'église ensemble avec Carlo, parce que Carlo a vécu dans avec lui. Parce que certaines églises qui imposent que vous avez 5 petites avec lui, pour qu'ils ne soient pas mariés. Nous ne devons pas garder des minés. Est-ce que c'est parce que Carlo n'a pas 15 000 dollars qui ne fait pas marier? Donc, on a tout ça là-dedans. Ou bien, est-ce que Carlo n'a pas voulu marier pile tout? Mais c'est 5 petits mouns, pas c'est côté. C'est on va des sentiers encore. Donc, il y a un autre aspect encore, professeur, c'est l'aspect politique là. Notez, ouais, interrogation, Lambert Wilson t'a fait avec une membre d'association, qui c'est un membre qui t'a participé dans le projet à tout. Côté que lui-même, il m'a dit, est-ce que lui a une intention de faire politique et comment le politique là est dans le pays d'Haïti? Femme avec politique. Oui. Donc, question politique là, vous venez à son question qui vient désintéresser de plus en plus de monde. Bon, c'est avant. Après, famille, surtout. Surtout famille. Bon, on a regardé que. On a regardé dans le Parlement presque pas une femme. Donc, son bagage qui est déplorable. Et c'est graduellement où les filles ont commencé à s'intégrer malgré toute campagne, tout mouvement féministe qui a lancé. Et les filles vers le bagage à main. C'est parce que politique là, en lui-même, est tellement vite. Mais qui est important, c'est qu'il y a une femme. Yo. Si vous avez décidé, quelle importance ça a gagné si vous-même vous avez décidé d'entrer dans la politique là? Eh bien, c'est ça, mais il faut regarder la politique là d'abord. C'est-à-dire, la politique est tellement vient banale. Oui, elle vient banale, elle vient tout dans l'affaire d'hommes, affaire de bandits, et où vient tout? Nous sommes capables de dire, peut-être pas de statistiques vraiment sur ça, mais il y a moins de filles qui sont plus bandits que de garçons. Donc, c'est-à-dire, vous venez de un sec de garçons, d'hommes, de bandits, de tant que j'en dis d'abolo, tchou, de monde, filles moins fait ça que garçons dans la société. Bon, c'est pas que n'a voué fleur by filles, mais on sentit que y'a pas quitté espace pour que filles entrent vers la politique dans tout. Même penser que, bon, paquet d'exemples. Mais est-ce que ça n'a pas un problème haïtien tout? Des fois, en général, monde qui a des problèmes, qui a une capacité pour résoudre, qui a à occuper des postes politiques, y'a une femme par exemple, mais y'a peur, en général, y'a peur fait pas. Je pense que il y a un problème, mais il faut que l'on sauve la personnalité. Tout. C'est-à-dire, c'est vrai, mais on n'a pas qu'à laguer la boucherie comme ça. Tout. C'est-à-dire, c'est là encore, c'est ça, c'est comment faire de la politique. Donc, c'est-à-dire, il y a une façon pour faire politique là, pour encourager mon entrée là-dedans. Donc, c'est-à-dire, des gens qui ont été intéressants, ils ne peuvent pas entrer là-dedans.
Et n'a fini kounia et nous est documentaire la fini sur note positive image timoun qui l'école qui pas l'école tout mais qu'on est visage timoun nous représenter l'espoir donc et comment on comprend ça voilà on va ajouter une question femme politique là parce que la question fondamentale que dame note répondre li bay réponse avec tout ça nous dire pour qui ça ou pas les politique là alors que son dirigeant organisation qui n'a bon nan li dit Mounio passeye. C'est question moralité. Dans famille communauté ça yo, gon question moralité. Bon, pour lui-même pas gen moralité dans politique là. Ça veut dire m'carton pour n'importe qui l'est. Alors que fille à lui-même, li gon certaine de capacité lui-même pour y pas vle ou mettre non dehors pour dire voler. Son gros bagage, son choc li pral lié pour lui. Donc, si par exemple que et pas gen moralité là, ou avenn moun yo de plus en plus réticent par rapport avec question politique là, question oui ak non. Ou avenn moins implication famille dans question politique là parce que yo croit en pile dans question aspect moral question. Fim nan finisyon note positive avec visage timoun sou écran, timoun k ap pri, timoun k ap souri, timoun l'école. Et justement, nous te pensé que perspective pour faire société avancer, c'est investir dans timoun yo. Bayo accompagnement. Ouais, donc c'est peut-être ça que dans toute discussion yo et dans tout appui que nous tab bayo, nous penser que si par exemple qu'on voulait commencer pour fondre génération pour construire l'autre génération, on besoin 25 30 ans pour construire 50 ans pour construire 50 ans pour construire une génération. Donc si journée jodi a nous voulait adresser tout bayo ça que nous pour ces journée jodi a, il faut que nous commencer par investir dans timoun yo. Et est-ce que c'est ça qu'on sait tout, professeur? Est-ce que investir dans Timounio qui représente l'espoir pour demain, est-ce que ça casse ces chaînes infernales des mondes négatifs, des mondes gémons? Oui, investir dans Timounio pour changer le monde, ça casse et dynamique ça. Mais quand même, beaucoup de gens du Cibonso disent, c'est pas faire l'école pour faire l'école. C'est-à-dire quelle école pour quelle société? Faut que d'abord nous chita pour nous compte qui société nous voulons et qui l'école n'a fait. C'est-à-dire que même en question de curriculum, ça c'est l'autre domaine où on t'a parlé de yo. Vous pas cacher ta base, ça va pas enseigner, même en série de matières qui se tendent, il faut qu'on s'en mais il faut que vous faites des bails qui sont adaptés à la réalité haïtienne. Par exemple, des cours sur question de violence depuis l'école primaire, sur même bagage, ça n'a pas intégré dans le curriculum. Merci infiniment, Lucien Mourepa. Je me rappelle que vous êtes professeur dans l'Université l'État et vous avez un doctorat en sociologie. Et merci tout à Pierre Ducibon Mérité, ou même qui est coordonnateur bureau régional l'OS, section CVR, MINUSTA. Merci si toi ou même qui t'a suivi l'émission ça, pas chamblier, l'informer tête ou l'apprendre qu'on est, ou agir plus bien. Au revoir.